Alléluia. Alléluia. Et saluer au matin. Et déjà une très bonne semaine dans la présence de Dieu. C'est pour semaine ça, capable une semaine bénie, une semaine extraordinaire. Que le Seigneur capable de faire dans la vie, des choses extraordinaire, des choses exceptionnelles. Nous comptons encore à terre, nous capables, ensemble, nous passer temps dans la prière. Semaine ça, bon Dieu, voulait que nous prions ensemble pour la famille. Bon Dieu, voulait nous prier ensemble pour la famille au cours de cette semaine. Et nous prions pratiquement passer temps dans la semaine ça, dans Éphésiens chapitre 5 et chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 5, là, à partir de verset 22. Nous ne connaissons pas comment le Saint-Esprit va orienter, non? Parce que quand nous parlons de la famille, nous avons tellement de prières que nous avons fait pour la famille. S'il le faut que nous passions 2-3 semaines selon Jean le Saint-Esprit orienté, non? Ça capable fait, mais nous avons concentré nos cours de semaine ça pour nous prier pour la famille. Et semaine prochaine, nous va attendre pour nous voir qui orientation que le Saint-Esprit il va ba nous dans ce sens-là. Pardon. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, il dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Et maintenant, nous allons prier. J'aimerais dire au cours de semaine, nous allons prier pour la famille. Et maintenant, nous allons prier que nous demandons, bon Dieu, pour le bail soumission. Soumission avec chaque femme. Peut-être qu'il y a des problèmes qui doivent être dans un foyer. C'est un problème de soumission. Une fois que madame n'a accepté pour soumettre lui en bas autorité mari, il y a des problèmes qu'a résoudre de manière automatique. Et le foyer que fille a décidé de voler pour un pantalon, garçon, hein? Et ça a créé de gros tensions dans le foyer. Et m'a dit, en tant que chrétien, on n'a pas gagné une vie spirituelle qui est stable, une vie spirituelle paisible, qui est équilibrée, si que foyer a bagaille pas bien marché. Parce que dans le foyer, c'est la base là. C'est là pour bagaille commencer à marcher bien et puis pour dans le ministère là pour sentir à l'aise pour que dans vie de prière ou capable à l'aise. C'est ça que fait n'a prier matin pour la soumission. D'avoir disposé cœur pour faire prier ça avec nos matins. Seigneur, nous bénissons et nous remercions déjà pour provision faite pour nous cette semaine ça. Merci parce que orientez-nous pour nous prier ensemble pour la famille au cours de cette semaine. Et maintenant, Seigneur, nous remettons famille à vous-même. Que grâce vous repose sur famille. Que bénédiction repose sur famille. Seigneur, nous remettons chaque foyer qui a traversé un problème de soumission. Côté madame nan, refusé soumettre avec mari. J'en parole ou dit le Seigneur. Aidez avec chaque femme, chaque épouse du Seigneur, pour être capable d'obéir avec sa parole ou dit, pour mener en vie de soumission, pour soumettre avec mari. Peut-être madame Nagedwa, c'est lui-même qui a fait,
qui a fait un travail qui plus que monsieur, qui a une rentrée économique, qui a un rang social plus élevé. Mais Seigneur, peu importe ce que tu es capable de présenter comme réalité économique, peu importe ce que tu es capable de présenter comme réalité intellectuelle, comme réalité sociale, demandez avec chaque femme pour être capable de soumettre. Et maintenant, avec chaque soeur, chaque maman, nous, pour être capable vraiment vivre dans la soumission. Et nous sommes certains qu'il y a de grandes bénédictions qui sont réservées avec chaque silaï qui accepte obéir avec parole et qui accepte soumettre avec Marie. Seigneur, il y a de moments ce n'est pas jeûner pour jeûner. Il y a de moments ce n'est pas prier pour prier. Il y a de moments ce n'est pas veille de nuit pour nous faire. C'est une petite simple soumission. Et nous allons recommander grâce ou bénédiction va envahir la vie, nous, Seigneur. Merci parce qu'on fait grâce. Merci parce qu'on continue à faire grâce. Bénis-nous, bénis famille. C'est prier dans le vent. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes contents ensemble avec vous, matin. C'est pour bon Dieu continuer à bénir et continuer à bénir famille. C'était les amis, frères, Maestro Bertin d'Orville. Bonne journée.